écoles ou de 18 pieds. Or, ils ont d'être le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne par terre. Or, ils ont des nus. Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe qui arrivent un peu en dessous des genoux. Et qu'ils peuvent ou qu'ils mentent, ils ont un parapluie, des grosses lunettes noires et puis surtout, ils ont l'air d'écouter tous ces bruits agités. Oh, ils sont adieux. Un jour, un brave notaire de son pays débarquant venait pour de grosses affaires de legs et de testaments. Il avait l'allure très digne, mais comme les modes de maintenant ont à peu près la même ligne que celle de 1900. De jeunes ados s'écrièrent en l'apercevant. Ce qui fait distinguer son col rond de 18 pieds, oh, puisqu'il est adieu. Il a ce brave notaire, le veston qui traîne par terre. Oh, 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 qu'il est adieu. Il ne se doutait pas, ce très digne notaire, qu'il pourrait être à ce point très doux. Car tous ses vêtements lui venaient de son grand-père, le col, le veston et tout et tout. Tout étonné de se voir ainsi remarqué par tous les adieux. De retour chez lui, le notaire sidérait tous ses amis. Il marchait avec le doigt en l'air, mais bientôt ce fut bien vie. Cette maladie prit sa fille, sa femme, son clerc, son toutou. Enfin toute la famille, tout le monde devint adieux. Dans le pays, quand ils se promenaient, on les croyait fous. En les voyant passer, les braves gens s'écriaient, tiens, oh, là les adieux. Après mûre réflexion, le docteur en consultation dit, bah, ils ont adieux. C'est une maladie assez particulière, bientôt il n'y paraîtra plus rien. Avec une bonne cure de polka de nos grand-mères, lui se regardant, il dit, tiens. Mes cheveux tout frisottés, mon col haut de 18 pieds, mais je suis adieu. Oh, tout comme le notaire, mon veston traîne par terre, donc oh, oh, je suis adieu. Et si ce n'est qu'une question particulière, je suis le plus adieu d'entre nous. Car ma redingote traîne jusque par terre, je dois permettre, faisons couper tout. Docteur, avec compris que là se tenait l'esprit de Hosea et Adou et de Dele, tous les adieux.